Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Toc et Politique. Vous connaissez le principe de l'émission. Nous allons découvrir un terroir et ses produits. Aujourd'hui, cap sur la région Rhône-Alpes. Pour cette échappée gourmande, je serai en compagnie du chef Éric Jambon du domaine du Séquoia à Bourgoin-Jallieu, avec qui je cuisinerai deux députés de la région, François Brotte, député de l'Isère, et Dominique Dor, député de la Savoie. Tout ceci dans le cadre prestigieux de l'école de cuisine du grand chef Alain Ducasse. A tout de suite pour un nouveau Toc et Politique sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. C'est magnifique ça. Bonjour Éric Jambon. Bonjour Perico. Vous êtes le chef du domaine des Séquoias. Tout à fait. Où est le domaine des Séquoias? On est à Bourgoin-Jallieu, à côté de Lyon. Bourgoin-Jallieu, c'est une ville historiquement gastronomique, c'est la patrie d'Alexandre Dumas. Tout à fait. Vous êtes dans l'univers lyonnais. Vous êtes d'origine lyonnaise vous-même? Et d'origine lyonnaise aussi. Et vous avez travaillé chez Paul Bocuse, je crois. Voilà, tombé dedans tout petit. C'est une bonne école. Et j'ai eu la chance de croiser Paul Bocuse. Alors, quel genre de cuisine vous faites au domaine des Séquoias? On travaille une cuisine avec des produits de région, repensés, retravaillés. Revisités, comme on dit. Revisités, oui, avec notre touche, notre particularité. Donc une cuisine contemporaine, pas déstructurée quand même. Non, non, non. Mais vous y introduisez un peu d'idées. Pas moléculaire, mais qui utilise tous les produits qui nous sont donnés de travailler. Voilà, et un peu de technologie quand même. Et un petit peu de technologie. Voilà, on combine tradition et modernité. Et modernité. C'est l'objet du domaine, puisqu'on a construit un hôtel aussi qui est exactement ça, c'est-à-dire des pierres anciennes et de la modernité. Donc on peut aller chez vous, on peut se régaler, ensuite on peut dormir tranquillement. Voilà. Alors on va venir vous voir. Alors vous avez fait le marché avant de venir. On a fait le marché. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Des produits de région. Bon, alors là on est sur deux régions. On a deux députés, on a le Dauphiné et puis la Savoie. Et la Savoie. Alors donc, du Dauphiné, il y a quoi par exemple? Du Dauphiné, on a des œufs d'escargot. Mmh. Vraiment très typique, puisque Philippe Cailleux, c'est l'inventeur des œufs d'escargot. On va travailler ça et on va faire notre entrée. On va dire que c'est le caviar dauphinois. On va prendre le caviar dauphinois. Exactement. On va travailler donc notre entrée avec ces œufs d'escargot. Oui. On va passer après sur des produits vraiment très traditionnels, puisqu'on est là sur les duos de Savoie, très typiques. Le duo, c'est la saucisse. Le duo, c'est la saucisse. On va les cuire avec des sarments de vigne. Des sarments de vigne, notre ami Nicolas Gonin, qui est viticulteur dans les balles dauphinoises. On va mettre les sarments au fond de notre cocotte, un petit peu de vin blanc. Voilà, et on va cuire nos duos comme ça, tout doucement, à la vapeur du vin blanc. C'est délicieux, ça. Et un vin blanc de Savoie, je suppose, évidemment. Bien sûr. Qui sont là, il y a quelques bouteilles. Bien sûr, vin blanc de Savoie. Et puis, on ira ensuite sur un petit vin rouge du Nord-Isère, de Nicolas Gonin. Et bien sûr, c'est une région fromagère. Absolument. Vous nous avez apporté quoi? Beaufort d'Alpage, Beaufort d'été. Beaufort d'été, d'Alpage, voilà. Magnifique. Saint-Marcelin, bien sûr. Ça, c'est chez vous. Bah oui, hein, juste à côté. Bon. Eh bien, il y a de quoi faire. Bon, je vais aller chercher les députés qui viennent d'arriver. Allez. Et puis, on vient les faire travailler. Je me prépare. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur François Brotte. Absolument. Bonjour. Dominique Dor. Comment allez-vous? Bienvenue à l'école de cuisine d'Alain Ducasse. Merci. Vous avez fait bon voyage pour arriver depuis chez vous? C'était difficile, mais bon. Bon, ben, vous allez voir, on va vous donner des produits réconfortants, on va vous remettre en forme. J'espère. Suivez-moi. Vous venez chez nous. Alors, bienvenue donc dans l'école de cuisine d'Alain Ducasse. On y va. Alors là, vous avez voilà une démonstration de cuisine. Voilà. Donc ça peut être des sociétés ou des particuliers qui viennent apprendre. Mais messieurs, je ne vais pas vous demander de retourner votre veste, mais de la retirer, puisque je vais vous en donner une autre, super, beaucoup plus fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez enfiler chacun un tablier? Bien sûr, hein. Voilà. Bon, messieurs, ça y est, vous êtes équipés, habillés, en bonne et due forme. Ouais. Chef, je vous confie ces deux députés. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Allez, on va faire des quenelles, mais pas des quenelles lyonnaises. Hein. On va faire simplement des quenelles avec deux cuillères. Oh là là. Donc, ça va vous aider à dresser. On va voir si vous êtes adroit. Nos plats pour tout à l'heure. C'est pas à droite, c'est sûr. Hein. C'est pas très difficile. Il a deux mains gauches. Vous êtes un peu gauche, c'est ça, et puis lui est très adroit. Donc, il va nous faire la démonstration. Allez-y, je vous les confie. Allez-y, monsieur. Regardez bien. On va prendre une cuillère dans chaque main. On va prendre notre produit dans la première cuillère. Et en fait, on va former une quenelle en tournant nos deux cuillères et en pressant l'une contre l'autre. Tout est en coup de main. Ça a l'air facile comme ça, mais et là, on a formé. Bah, vous l'avez fait pour nous, hein, c'est bon. C'est bien, voilà, on a bien compris. Recommencer, il y a poser. On a l'air complètement idiot. Alors, je vous signale que l'apéritif ne sera servi que si la quenelle est bien tournée. Donc, messieurs, appliquez-vous, je vous en supplie. Ah, celle-ci est moins bien, elle a plus de mal. Hein. Ah, ben oui, mais c'est la preuve. Oui. Il faut en mettre beaucoup dans la cuillère ou... Il faut en mettre suffisamment. Ah, c'est intéressant. C'est une réponse de Normand. Vous êtes Normand ou non? Non, il est lyonnais. Lyonnais, d'accord.
Non, je t'en prie. C'est vrai? Oui. Allez-y. Pourquoi j'ai l'air ridicule d'abord? Non, pas du tout, je suis sûr. Passez le premier. Alors moi, je suis gaucher. Est-ce qu'il faut que je charge d'abord la cuillère gauche? Ah, mais, alors il est à droite, mais gaucher. Ça peut savoir. C'est compliqué. Le... Toi, t'es pas droitier quand même. Toujours des regrets dans la vie. C'est vrai. Voilà. Toi, t'es droitier, non? Oh, je crois que je suis droitier. Alors, oh là là là. Déjà, rien que de charger comme il faut. Je te tiens debout, peut-être. Fais ce que tu peux pour aider un collègue en difficulté. Il faut bien tenir la cuillère gauche et presser en même temps et tourner. Non, là, ça va et pas en du fait, tout. En fait, il faut que je change dans l'autre cuillère. Il faut la passer l'une à l'autre. Voilà. Mais c'est quasiment impossible. Mais si, mais si, mais vous en sortez pas si mal. Pas si mal? Non, non. Oui, regardez, là, je suis empoisonné. Il y a pire. Ah oui, voilà, il faut la remettre vers le bas. Voilà. Ensuite, tu remets celle-là vers le bas et tu la tripotes comme ça. Non, ça va pas du tout. Et alors, non, bah alors moi j'ai une très moche quenelle. C'est comme un projet de loi, on tripote un petit peu au départ. On tripote un petit peu, voilà. François, bon, je lui passe, non, quand je fais la preuve de mon incompétence. Voilà, mais mettez-la quand même dans le fond, on va la garder quand même par contre. Vu comme ça, elle est pas si mal. Vu d'avion, voilà, faut pas regarder ce que j'ai mis dessous. C'est pas la quenelle, c'est le quenellon, mais c'est pas grave. Ça s'appelle le quenellon, voilà. Eh bien, vas-y. Allez, à vous. Voilà, je te passe les instruments. Bon. Faut quand même aller chercher. Je l'ai donné lui son pot. Je te tiens ton pot. Comme quoi, c'est vraiment... Non, tu fais un pâté de sable. Non, parce que monsieur, si vous êtes gâté d'habitude, on leur fait éplucher les patates ou trier les lentilles. Vos autres confrères, ah, maintenant, vous faites comme... Il n'est pas si mauvais que ça. Hein. Et, oui, là, c'est vrai, on n'est pas obligé d'en faire plus. Hein. Non, mais... ça tient, si, hein. Si, voilà. Ça arrive à ce résultat. Ce qu'il faudrait, c'est la passer quand même de l'une à l'autre pour arriver à former... Vraiment, la petite, vous voyez, la quenelle, c'est qu'il faut que ce soit un peu angulaire. Ça, c'est un peu triché. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est... Je me fais engueuler. Ça, c'est révélateur, ça. On est proche du pavé de 68. On est proche du pavé 68 ou du boulet de charbon. Vous allez voir. Ben c'est pas si mal. Hein. Bon, est-ce que chef, là, je suis homologué? Oui, c'est ou bon. Pas voyons. Oui, allez-y, mettez-la. Oui. Allez, une deuxième, et puis vous serez. Allez, encore une deuxième. Et même que pour lui. C'est parfait. Il n'a pas très bien fait. Alors, c'est quoi le lien dans tout ça, là? Parce que finalement, c'est c'est assez compact, tout de même. Hein, donc, il y a du sucre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la poire. Ça sera avec une petite surprise, peut-être à la fin du repas, on verra. Voilà. Ah, c'est sucré? Oui, oui. Vous verrez. On commence par la fin. Mais la quenelle, normalement, c'est salé. Donc, on sait ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais on fait des quenelles avec les cuillères, avec tout, avec la purée notamment, vous verrez tout à l'heure. La tradition, ça vous va, ça oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. C'est généreux. Voilà, on peut dire que c'est généreux. Si tu peux faire la deuxième mienne, c'est sympa aussi. Non, mais je t'en prie. On en fait faire une deuxième. Allez, c'est salé. Maintenant, vous avez vu. Oui, mais non, vous avez vu le collègue. C'est très difficile. Voilà. C'est pas un truc pour les gauchers, je pense. Non. Hein, bon, il faut trouver une excuse, ça peut être. Ben voilà, faut trouver. Non, ce qui est assez difficile, c'est de passer d'une à l'autre. Mais c'est comme ça que c'est en passant l'une à l'autre. Toujours face à face. Voilà. Comme ça. Voilà. Et je me la caresse dans. Voilà, la cuillère de gauche dans la main droite et la cuillère de droite dans la main gauche. Vous avez compris. C'est comme ça le truc. Oui, c'est ça. C'est parfait. Vous allez y arriver. Et là c'est là que c'est difficile. Voilà. Rapidement, déjà, le fait, c'est déjà pas mal. Hein. Là où vous étiez, vous faites des boules de neige. Je fais une petite corne, c'est ça qui... Voilà. Bon, allez, on va dire que ça va. Hein. Vous savez faire des boules de neige. J'ai fait tout mon travail. J'ai fait des boules de neige. Ben, c'est une boule de neige en laquissement. Oui, mais on met moins d'application dans les boules de neige. Et on ne se les jette pas au visage tout à l'heure. Débrouillez-vous. Voilà. Essayez d'en faire une. Pour nous faire rire. On est entraîné toute la matinée. Oh, je n'ai pas vraiment besoin. C'est pas si beau que ça. Hein. Oui, voilà. Hein? Combien on lui met? Voilà. 11 sur 20. C'est une canne à plat. Ah bah bien sûr. Allez. Et maintenant, on va passer à table, c'est rien de dire. Donc, Monsieur Brod, vous allez vous mettre à ma droite. Normal. Dominique Dorme, vous allez vous mettre à ma gauche. On va inverser les rôles. Chef, on a un petit peu faim, est-ce que c'est prêt? Ça devrait être prêt. Bon, qu'est-ce que vous nous apportez? Alors, je propose aujourd'hui un plat du domaine des Séquoias, qui est un caviar à la russe inversé. C'est-à-dire... Caviar à la russe inversé, mon voilà. Dieu. Le principe du caviar à la russe, ce sont des œufs brouillés avec une quenelle de... Une quenelle encore, de sébrouga ou de beluga. Et là, puisqu'on est sur des œufs d'escargot, ben on inverse les couleurs, on inverse les provenances. C'est-à-dire que l'œuf brouillé provient de la mer avec l'encre de sèche. Bien sûr. Et nos œufs d'escargot proviennent de la terre. Ah d'accord, c'est un mélange terre-mer. C'est super bien. Beluga, hein. Oui. Vraiment magnifique. Et comment ça se mange à la fibre? Alors, qui produit ces œufs d'escargot? Alors, ces œufs proviennent vraiment de la région, du Nord-Isère. On est chez Philippe Cailleux, producteur d'abord d'escargot et ensuite des œufs. Il faut savoir qu'un escargot pond très, très, très peu d'œufs dans sa vie. Donc, c'est un produit assez exceptionnel, justement, par tout le travail que nécessite. Bon, et bien, c'est un produit artisanal. Bien. Exactement. Bon. Et bien, écoutez, on va goûter ça. Voilà, on va faire un petit journée gastronomique. Merci, Eric, merci, à tout à l'heure. Merci.
C'est excellent. C'est moelleux. Excellent. Là, on a un travail de cuisinier. Là, c'est du pro. Hein. Voilà. Bravo. C'est de la belle cuisine. Un bon repas, c'est comme une pièce de théâtre, c'est en plusieurs actes. Ça sent d'ici, les fumées nous chatouillent les narines. Mmh. Voilà, je sens le savoyard et le dauphinois qui se sentent. C'est magnifique. Là, ça rigole pas. Hein. Alors, typiquement, on a justement marié deux produits emblématiques de la Savoie et du Dauphiné, avec un duo de Savoie. Alors, le duo de Savoie. Deux duos de Savoie. Non, deux duos d'ailleurs, on dit. Non, on ne dit pas ça. Non, je sais. Et un gratin dauphinois un tout petit peu retravaillé. En purée. Alors, ça cuit longtemps dans des grandes. C'est la fait cuire au sarment. Il faudrait que vous montriez la casserole avec les sarments. Cuit au sarment de vigne, avec des vignes de notre viticulteur, des balmes dauphinoises. Il vous plaît ? Ouais. Mmh. Parfaitement cuit. Mmh. C'est bien. On sent l'arôme du. Petit arôme du sarment de vigne. Ouais, la question sur le gratin, c'est de savoir quand même si elles étaient cuites, les pommes de terre, dans le lait ou dans l'eau. Parce que. C'est quand même un débat sur le gratin dauphinois. Vous avez entendu, chef ? Monsieur Brod demande si les patates ont été cuites dans le lait ou dans l'eau ? Elles sont cuites dans la crème. Dans la crème. Une crème légèrement mixée avec petit peu d'ail dégermé. D'accord. C'est pour ça qu'elles sont onctueuses. Absolument. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas un potiron avec du sucre ? Non, c'est une spécialité bergalienne. Bergalienne. De Bourgoin-Jallieu. Très bien. C'est la brioche. Donc la dame brioche. Et elle a une histoire, sa couleur a une histoire. En fait, c'est une brioche qui date de 1450, lors de la venue de Louis XI à Bourgoin. Et à la Révolution, elle a pris ces couleurs-là, qui sont les couleurs de la nation. En tout cas, c'est un dessert patriotique. En tout cas, ils ont bien travaillé, puisqu'ils ont pu faire des belles quenelles. Les quenelles, ce sont les nôtres ? Voilà. Ce sont les vôtres, absolument. C'est pas celle que vous avez prise dans les Non, la mienne était pas l'île. Et Éric Jambon, merci pour ce déjeuner, pour cette magnifique prestation. Merci à vous, merci Péricot. On s'est régalé. Merci beaucoup. Et merci je rappelle que la recette des Dio avec le gratin dauphinois revisité est disponible sur Internet, sur le site de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Merci à l'école de cuisine Alain Ducasse, merci à Éric Jambon qui nous a régalé avec ses recettes. On peut le retrouver, je rappelle, domaine du Séquoia à Bourgoin-Jallieu. L'adresse est sur le site de la chaîne. Quant à nous, à bientôt pour un prochain rendez-vous politique et gourmand dans un nouveau Toc et politique sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale.